Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur un appareil petit électroménager, un Moulinex. C'est une moulinette compacte 3 en 1, donc moulinette qui fait qui sert de hachoir à persil, à pas mal de choses, des herbes. C'est un outil, un petit appareil très pratique. Celui-ci aujourd'hui est bloqué, on n'arrive pas à faire démarrer le moteur, on sent que ça vibre mais que ça ne veut pas démarrer. Donc on va ici retirer la prise. Je vais essayer de prendre le petit couteau qui va avec pour avoir un peu plus de force. Et là on s'aperçoit que c'est bien bloqué. Donc vous voyez, c'est un appareil qui a servi, hein, ce qui est normal. Hein. Mais il y a de grosses chances qu'il y ait du liquide ou de l'eau qui soit tombé à l'intérieur et qui ait bloqué le moteur. Donc on va essayer de regarder si on peut l'ouvrir et voir ce qui se passe à l'intérieur et essayer pourquoi pas de le dépanner. Donc la première des choses, on voit que, vous voyez, il n'y a aucune vis apparente, rien. Là, absolument rien. La seule chose en observant, on voit qu'ici, ben, il y a un petit jour. Et que la seule chose ici qui peut se détacher, apparemment, c'est ce qui sert de serre-fil ici. Donc on va essayer de rentrer un tournevis là. Alors il faut toujours y aller avec précaution. Utiliser le bon diamètre de tournevis. Voilà, et on va pousser ici pour détacher. Voilà, ça y est, je suis rentré. Voilà, ça y est, on a réussi. Vous voyez qu'il faut forcer un peu, hein, faut pas hésiter. Du moment qu'on a pris la bonne taille ici, la bonne empreinte, hein, on arrive à déconnecter. Alors c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, qu'on l'a jamais fait, on a souvent une petite crainte. Voilà, donc on va continuer à tirer. Et je vais remonter là. Voilà, vous voyez, hop, ça y est, ça sort. Alors, il est peut-être un peu aussi collé par ce qui est tombé dedans. Voilà. On a réussi à l'ouvrir. Voilà. Ben, en effet, vous voyez, il y a de la sauce, il y a un peu de tout qui est tombé à l'intérieur. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai mon axe moteur qui est bloqué. Ici, ça ne tourne plus tout ça. Tout simplement parce que c'est rouillé. Donc là, on n'a pas 36 solutions. Hein. Normalement, il faudrait changer le bloc. Mais ça ne se vend pas. C'est tout bloc complet. Donc on va essayer de le sauver d'une manière un peu différente. On va essayer de mettre cette partie-là dans du dégrippant, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai ramené ce petit truc-là. Je vais pouvoir le descendre dedans. Je vais ici sortir mon moteur. Alors faites toujours attention quand vous faites ça, que ça n'arrive pas, hein, parce qu'on a vite fait de se casser, s'abîmer un doigt. Voilà, ici. Alors je fais attention à mes pignons qui vont à l'intérieur. Voilà, je récupère tout ça. Je sors mon câble. Ici. Ça c'est mon petit interrupteur qui sert de démarrage. Et là mon axe moteur qui est bloqué, je ne peux pas le tourner. Donc la première des choses, c'est, vous voyez, je vais le plonger là-dedans. Voilà, je vais aller chercher du dégrippant. J'ai mon dégrippant, alors quelle que soit la marque, hein, s'il faut que ce soit un super dégrippant, style WD-40 ou autre. Je vais arroser le bas de mon moteur ici. Ici, je vais déjà en mettre plein là. Pour essayer de récupérer. Je vais en mettre là-dedans. Le but, c'est que j'arrive à faire en sorte que le bas de mon moteur soit dans le dégrippant. Voilà. Donc ici, j'ai réussi, vous voyez, à ce que mon roulement en bas trempe dans le dégrippant, c'est ce qu'il faut. Alors je vais en rajouter encore un petit peu pour remonter le niveau. Voilà. Je vais en balancer un petit peu sur l'axe ici aussi pour être sûr que, voilà, un tout petit peu. Voilà, juste une toute petite goutte. Voilà, bon, là j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur. Mon axe trempe bien dedans. Ici, je vais le laisser comme ça. On va le laisser reposer ici. Voilà. En faisant attention qu'il soit bien dans le dégrippant. Voilà. Là, c'est parfait. Il est bien dedans. Je laisse comme ça. Ça va me permettre de laisser le dégrippant agir et de faire en sorte que ça. On espère que ça se dégrippe. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc, on a récupéré notre petit moteur. Ça fait à peu près une petite heure qui trempe. Donc. Je pense que là, ça devrait commencer, si on l'a sauvé, s'il est sauvable,
On va peut-être avoir là, bon ça, ça reste rouillé, mais ça c'est pas très important. Hein. Est-ce que ça va tourner? Alors on va y remettre le petit axe ici. Voilà, on va y remettre la petite poulie. Voilà, et on va y remettre celui-ci qui va permettre. Je me suis trompé de sens. Voilà, ici. Voilà, et là je retrouve ma poulie. Et oui, ça, ça tourne. Alors il y a, là, il y a des multiplications. Hein. Mais si je prends par l'axe, vous voyez, voilà, il est dégrippé et je le tourne avec un doigt sans aucun problème. J'ai récupéré mon moteur. Voilà. Donc là, je vais pouvoir, ici, voilà, l'essuyer, retirer le surplus, prendre mon petit moteur. Je vais nettoyer un petit peu l'arrière de là avec une... du papier abrasif, hein, petit papier abrasif léger. Mon axe tourne bien, il est plus bloqué, c'est le principal, c'est ce qu'il fallait. Voilà, je vais pouvoir me permettre de remonter tout ça. Donc je vais nettoyer un petit peu parce que j'aime bien que les choses soient le plus propre possible. Une fois que c'est fait ça, je vais pouvoir remettre les poulies. Voilà, tout simplement. Je vais réappliquer ici, en faisant attention que l'axe qui est là doit aller. Alors j'ai laissé la graisse qui est à l'intérieur, hein, faut pas l'enlever. Ici, je vais remettre ça à sa place et je vais enfoncer mon moteur à sa place. C'est un peu dur, c'est normal. Donc voilà, ça y est, c'est en place, tout est revenu à sa place. Alors je vais regarder ici, si je mets mon couteau, oui, je peux le tourner sans problème. Voilà. Alors que je ne pouvais pas le faire avant. Hein. Allez, mon axe tourne bien. Donc, on va faire un essai à vide comme ceci. Donc, je fais attention parce que là, j'ai le 220 volts qui arrive. Donc, et j'ai mon petit interrupteur qui se trouve ici, là, sur lequel je vais appuyer. Donc, je fais attention, je branche mon moteur. Ici, on va regarder s'il marche. Oui, ça fonctionne. J'ai bien mon axe qui tourne, qui fonctionne bien. On a récupéré notre moteur, donc c'est impeccable. Je vais pouvoir le remonter, j'ai l'assurance que ça fonctionne. Donc maintenant, ben, je reprends mon bol. Voilà, donc j'ai mon moteur, on vient de vérifier qu'il fonctionnait. J'ai récupéré le bol, vous vous rappelez qu'il était tout seul à l'intérieur, donc on vient de... on l'a nettoyé, hein. Donc tout simplement avec un peu de liquide vaisselle, une éponge et puis surtout et puis une petite brosse à dents pour aller chercher dans les recoins. Donc là, je vais réinstaller mon bol. Donc avant toute chose, je vais évidemment faire attention au passage de mon câble. Hein. Donc je dois remettre mon câble à sa place. Voilà, ici. Là, je vais réinstaller correctement mon passe-câble ici, ce qui va permettre au fil de ne pas être tiré et d'être bien à sa place. Voilà. Et je vais pouvoir remettre donc là l'encoche ici, l'encoche là. Donc je vais ici réinstaller tout ça à sa place. Voilà, là je suis bien, j'ai plus qu'à appuyer, à rentrer. Voilà. Hop, on a entendu le clic. C'est terminé, ça fonctionne, c'est bon. Ça tourne toujours. Donc j'ai plus qu'à remettre ici pour faire un essai. Voilà. Comme ceci. On va brancher ici. On regarde. Voilà. Donc nous avons montré comment récupérer restaurer un moteur de petite moulinette, vous voyez qu'il était complètement bloqué et que
il n'y avait plus possibilité de faire tourner la moulinette. Ça aurait été dommage de racheter un bloc moteur. Dans ce cas-là, bloc moteur avec ça, il vaut mieux racheter un appareil neuf. Ça aurait été dommage. La preuve, c'est qu'en l'espace de 10 minutes, on a réussi à l'ouvrir, à le nettoyer. Vous voyez qu'il est parfaitement propre et il est comme neuf. Et avec un peu de dégrippant, à dégripper l'axe qui était rouillé et à refaire fonctionner notre moulinette. Donc le point important là-dessus, les conseils d'utilisation, c'est évidemment d'utiliser la moulinette dans le bon sens, c'est-à-dire que le moteur doit toujours être sur le dessus. Et évidemment, quand on va la nettoyer, on a très souvent tendance à débrancher la moulinette, évidemment, pour la mettre dans le bac. Dans le bac, il y a tout mettre, acheter ça un petit peu dans le bac de l'évier, ce qui est une erreur. Il faut toujours ici enlever ça. Et simplement, normalement, vous devez avoir très peu de sauce ou de déchets ici. Vous passez un petit coup d'éponge rapidement dessus, hein, mais surtout laissez-le la tête en bas pour pas que le liquide aille couler dedans. C'est ce qui s'est passé là. Le liquide a coulé dedans et puis je ne suis pas sûr qu'il ait pas fait un petit tour dans le bac à évier avec de l'eau. Donc ça n'a pas arrangé les choses. Mais enfin pour autant on a réussi à le dégripper et ça fonctionne, vous voyez, sans aucun problème. Et on a une moulinette qui est à nouveau efficace et prête à l'emploi. Voilà, j'espère que ce petit tuto va vous servir. Ça peut vous servir à sauver quelques appareils, quelquefois simplement quand c'est grippé. Eh bien, un peu de dégrippant, un petit fond de bouteille en plastique, et puis on fait ce qu'il faut pour débloquer le moteur et que ça reparte pendant, je pense, de longues années. Voilà, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Spareka à YouTube. Nous vous faisons des vidéos, des tutos sur tout type, tout univers, l'électroménager, le petit électroménager, le gros électroménager, les produits tels que la télé, l'électroménager, cuisson, froid, lavage, mais aussi sur l'univers jardin, l'univers piscine et l'univers motorisation de portail. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à venir profiter de nos conseils. À bientôt.